Les mots du mois. Macarena l'avait comme la chanson. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Je viens de Chili, donc même si je parle espagnol, l'Amérique latine, c'est assez grand. Et chaque pays a ses propres langages. J'ai appris le français au Cambodge, car j'étais mariée avec un français. Pour moi, c'était drôle de connaître qu'en France, presque toutes les expressions ils sont liés à la nourriture, mais en Chili, ils sont liés à des animaux. Estoy pato, c'est quand tu as pas d'argent. Si on voudrait faire une soirée ensemble, mais tu n'as pas l'argent pour dépenser pour la soirée. Ah non, je ne peux pas le faire, je n'ai pas l'argent, je suis pato. Pato, c'est canard, non, c'est un canard. Mais ici en France, c'est très canard, c'est quand tu es en couple et tu es très démonstrative. Quand tu es malade, on dit que tu as un poulet dans la gorge. Mais ici en France, c'est un chat. Si je suis dans un resto, je commande des croquettes. C'est un peu bizarre. Parce qu'ici, croquettes, c'est la nourriture des animaux domestiques. Mais dans l'Amérique latine et en Espagne, les croquettes, les croquetas sont des tapas. C'est un plat. J'aime bien poser un lapin. Pour moi, ça, c'était trop bizarre quand j'ai appris ça à l'école de langue. Moi, j'imaginais vraiment un lapin. aussi en espagnol, on écrit la B et la B de différentes manières, mais à l'oral, on prononce de la même manière. Et j'ai vécu des situations super embarrassantes pour ça. Quand je dois utiliser un mot qu'il y a un B en B, moi, pour éviter de confusion pour ma prononciation, j'essaie d'ajouter plus d'éléments dans le contexte. Comme ça, les gens comprennent que c'est boire et pas boire. Je pense que les accents, c'est pas quelque chose de négatif, c'est tout le contraire. C'est une manière d'avoir une société plus riche, plus sympathique. Soit ici en France, soit au Chili, en Espagne, avoir une société multiculturelle, il y a d'avoir des étudiantes ou des personnels ou des citoyens avec différentes racines langues, c'est juste positif. Par exemple, moi, j'ai la R supermarché et normalement, les gens sont contents d'écouter ça.